délicieuse. Un petit fouet. Bon, vous allez voir que c'est vite fait. J'avais déjà fait, hein, ça c'est un élixir que j'ai appelé merveilleuse synergie pour le visage. Oh. En tous les cas, ça fait drôlement du bien ce truc. Allez, oh, je vais même pas peser, c'est pas la peine. Je vais déjà commencer par la camélia 10. J'en fais pour un contenant de 100 ml. Hein. Alors, la camélia, pourquoi? Ben, parce qu'il paraît qu'elle a des vertus extraordinaires. Les japonaises, elles aiment la camélia, je crois. Hop, 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 hop. Ben, c'est même pas dit sur les deux petits flacons. En tous les cas, je la mets. L'huile végétale de chanvre. Eh, je vais pas me casser la tête, hein, regardez. La chanvre est un très bon anti-âge aussi, hein. Hop. 10 ml. L'huile végétale d'avocat. L'huile végétale de son de riz, hein, peau sensible et fragile, anti-âge et protecteur. La cendrie, on ne la présente plus non plus. Hein. Cela, je viens de finir celui que j'avais fait. Vous avez dû voir en vidéo, j'ai posté en vidéo, c'est vraiment topissime. Ça régénère drôlement bien l'épiderme. L'huile végétale de souchet, parce qu'elle est très nourrissante et elle est très douce. Est-ce que j'aurai les 10 ml par contre? Oh non, c'est pas grave. C'est pas grave. On complétera avec une autre. De toute façon, il me faut un contenant total de 100 ml. Hein. Pour les huiles, il n'y a pas vraiment de... L'huile végétale de rose musquée. Je mets les 15 ml de rose musquée. C'est ce qu'il faut, hein. Et la prune de Gascogne. Alors, la prune de Gascogne, comme j'en avais filé à Alexandra, ça sent très très bon. Et là, je vais aller jusqu'à 100 ml. La vitamine E. Voilà, j'ai mis 10 gouttes. Oh, je préfère. C'est pas quelque chose que je vais. C'est pas quelque chose que je vais utiliser. L'extrait de CO2 de carotte. Alors, cette couleur verte là, c'est la chanvre. Oh, je trouve. Cette couleur verte là, c'est la chanvre, hein, qui fait ça. La chanvre. Et là, je vais rajouter un petit peu de fragrance violette. Matcha violette, c'est la première fois que je l'utilise. Je vous ferai dire. Violette de chez Aromazone.
Allez, un petit coup de coenzyme Q10 quand même. Ah oui, je n'allais pas passer à côté. Hein. Et le resveratrol. Resveratrol qui est un très bon hydratant et un anti-âge. Voilà. Et là-dedans, je vais rajouter du dry touch pour couper un peu l'effet graillant. Voilà. J'en ai mis 35 gouttes. Ça, quand vous faites des préparations et qu'il y a toujours un petit côté gras qu'on n'aime pas, etc. J'ai tendance à l'oublier, moi, mais c'est vrai que c'est un truc de pro, ça. Je vous le montre bien. Ça s'appelle dry touch. Dry touch. Dry touch. Bref. Dépassez pas non plus le pourcentage autorisé, hein, parce qu'il y a potentiellement irritant. Ça, ce sont les nouveaux flacons que j'ai achetés chez Jolie Essence. Donc, est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous allez la voir? Je ne sais pas. Je vous ai fait une vidéo. Ils sont mignons comme tout. Dessus, il est écrit ma cosmétique Homemade. La douceur au naturel. Voilà. Super sympa parce que comme vous l'avez fermé, il suffit juste de faire un clip comme ça, hein. Et pour l'ouvrir, hop, allez, je vais laisser sécher tout ça et je vous retrouve après. Voilà, allez, c'est là qu'on va voir si tout est bien. J'ai un petit quelque chose qui reste devant le fond là, je sais pas ce que c'est, je raclote. L'avantage de ce genre de préparation, c'est que vous avez tous les bienfaits. C'est que vous avez tous les bienfaits de... Ça pénètre directement dans la peau, quoi, parce que lorsqu'on fait une crème, j'adore faire des crèmes, moi. Mais le résultat n'est pas tout à fait le même. Voilà, donc c'est bien aussi de nourrir sa peau en profondeur. Oui, alors j'ai rajouté le resveratrol, l'extrait de CO2 de carotte et le coenzyme Q10. Voilà. Alors j'ai mis carotte au maximum autorisé, resveratrol au maximum autorisé. Il suffit de lire, hein, sur les fiches, et coenzyme Q10 au maximum autorisé. Voilà, et tout ça j'ai parfumé avec la petite violette, et tout ça, ça me donne ça, et je pense que j'en ai déjà pour un petit bout de temps. Voilà, allez, c'était quand même un petit peu la dernière prépa de la journée, je vous fais des gros bisous. Ce genre de préparation, je vous en donnerai des nouvelles, hein, parce que j'ai utilisé quand même des huiles... précieuse, hein, faut en dire, de très bonnes huiles pour la peau. Je vous dirai, hein, qu'est-ce que ça a donné quand même. Ça ne peut être que bénéfique. Tous les cas, je suis trop contente des peaux. Ils sont mimi. Ils font le tube. Allez, ciao, bye, bisous.